Het leek wel of ze nooit was weg geweest. En enkel Serena Williams hield haar op de Australian Open van de overwinning. Dames en heren, mag ik uw applaus voor Justine Henin? Bonsoir Justine, bienvenue. Merci. Et mes félicitations avec votre résultat phénoménal à l'Australian Open. C'était votre objectif avant le tournoi? Non, l'objectif c'était d'aller trouver mes marques, sentir des choses. J'étais curieuse surtout de savoir après ces 2 ans d'absence, avec les décisions que j'avais prises, c'était de savoir si j'allais me sentir à ma place. Et ça c'était, je crois, le plus rassurant quelque part, c'est de me dire ok, je sens que c'est la bonne décision. Ouais. Et après, tout était du bonus pour moi. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas du tout de pression, dans le sens où j'allais vraiment un petit peu dans l'observation. Et puis petit à petit, j'ai gagné des matchs, des bons matchs physiques qui m'ont donné un peu de confiance. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est pris à rêver. Il m'a manqué le petit quelque chose que la compétition va me donner. Ouais. Mais dans le deuxième set, moi, je pensais maintenant, ça y est, elle va gagner. C'est vrai qu'à ce moment-là... Et vous marquez un point incroyable ici. C'est vrai qu'à ce moment-là, je suis revenue vraiment dans la partie. J'étais au début du match un petit peu en train d'observer. Oui, la rage. Ah oui, le regard connu. C'est des images que j'aime. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'elle a été une grande championne face à moi. Ça, c'est surtout, elle a servi vraiment à plus de 190 km/h au moment où il fallait. Donc elle a joué, elle a mieux géré les moments importants que moi quelque part. Et ça, c'est, il faut lui reconnaître. Après, moi, il me manque de la compétition, encore un peu de confiance. Mais je ne retire que des choses positives. Et c'était peut-être juste un peu tôt pour moi. Ouais. Ben, vous gagnez le deuxième set, mais dans le troisième set, il s'est passé quelque chose de bizarre. Serena demande un time-out pour aller aux toilettes. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Ouais. Mais qu'est-ce que vous en pensiez en ce moment-là? Je pense que c'est, y a rien derrière ça. Alors peut-être. Y a pas de tactique là. C'est peut-être l'occasion de faire un break, mais c'est de bonne guerre. Ça fait partie du jeu. Les règles lui permettent de le faire. Et puis moi, je l'ai suivi puisque j'ai voulu aussi changer de tenue. On s'est retrouvés dans les vestiaires. Vous êtes les deux dans le même vestiaire. Et alors vous parlez là? Non, on se parle pas. On a une juge de ligne qui est là avec nous pour nous surveiller quelque part. Et à ce moment-là, Serena a changé ses vêtements. Moi, j'ai changé de tenue et il faisait fort humide, il faisait très chaud. Et donc voilà, c'était une façon de revenir un petit peu au calme, se changer et essayer de bien commencer le troisième set. Donc je ne l'ai pas du tout mal pris. Je savais qu'il y avait peut-être le fait de vouloir casser un petit peu le rythme, mais ça fait partie du jeu. Donc je ne pense pas que ça ait influencé la suite du match. Ouais. Tu as vu le match? Non, je n'ai pas vu. J'ai entendu. Sur la radio. Ouais. J'ai pas de télé. T'as pas de télé? Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai, j'ai pas de télé. C'est la première fois que je te vois. Alors, enchanté. Ah bon? Je croyais que t'étais comme ça. Et très gros, avec une grosse voix. Franck, et vous? Moi, j'ai vu le match, oui. Et qu'est-ce que t'en trouvais? Je pense que c'était un match d'un très haut niveau. Et oui, ce sont des détails qui décident presque un match comme ça. Et malheureusement, Justine n'a pas gagné, mais je pense qu'on est très fiers avec un Justine comme ça, qui est revenu comme Kim. C'est magnifique pour nous, pour la Belgique. Absolument. Petit pays, mais des grands champions. C'est vrai. Mais après ce break, vous n'avez gagné que 2 jeux. J'ai eu un moment très difficile, c'est effectivement, je mène 1-0, 15-40 dans le troisième set, en jouant très bien à ce moment-là, et elle fait même un service volé, ce qui me fait comprendre que peut-être mentalement c'est difficile pour elle, et puis à ce moment-là, elle sort son meilleur tennis avec des grands services, et j'ai pris un coup moral, à 2 partout, c'est vrai que c'était plus difficile pour moi de rester dans le match et de m'accrocher, j'avais donné beaucoup d'énergie déjà depuis mon arrivée en Australie, et à ce moment-là, je crois que ce qui m'a manqué, c'est ça, c'est de la gestion, c'est peut-être un petit peu d'audace dans les moments de grande tension, mais c'est quelque chose que je n'avais plus à gérer depuis 2 ans, une finale de Grand Chelem, et c'est là qu'on voit le travail qui reste encore à fournir, mais ça, l'Australie nous a donné beaucoup de matière, parce que maintenant on peut regarder devant et se dire, ok, on va continuer à travailler, et puis essayer d'être plus forte, j'espère avoir l'occasion de revivre ça, donc être plus fort dans quelques temps.
Mais vous et Serena, vous n'avez jamais été meilleure copine. Est-ce que vous vous, non. Est-ce que vous vous entendez déjà mieux? Ça va déjà beaucoup mieux. Non, c'est vrai que y a eu toujours beaucoup de rivalité, mais je pense que dans le fond, les gens aiment aussi la concurrence. Et je pense pas qu'il y ait un manque de respect entre nous. Et puis à Melbourne, on a échangé quelques mots. C'était plutôt sympa. Je sens qu'on a tout en fait assez mûri quelque part. On voit ça plus comme une forme de motivation. C'est un moteur d'avoir toutes ces filles qui nous poussent à devenir meilleures. Mais je crois qu'il y a une part un peu de jeu aussi derrière tout ça. Et voilà, les relations sont nettement meilleures et c'est un bon sentiment. Dans les vestiaires, c'est beaucoup plus apaisé maintenant. C'est plus. Ah. Oui. Justine, on a l'impression que le contact avec Carlos est plus intensif qu'avant. C'est vrai. Que vous cherchez beaucoup plus de contact aux yeux. Je sais pas, déjà avant, et c'est toujours ce qui me reprochait un peu, c'était d'avoir beaucoup d'interactions avec lui. Mais ça fait partie de notre relation. Notre complicité est encore un peu différente, toujours aussi intense, peut-être plus. Je crois que le fait qu'on ait pris un peu de distance pendant 2 ans, ça nous permet d'avoir envie de revenir ensemble. Je trouve ça extraordinaire. Ça va faire 14 ans cette année qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Ouais. Et puis tous les jours, il m'apprend quelque chose de nouveau. Là, on est encore en train de chercher... pour améliorer mon service, peut-être qu'un jour, qui sait, on va y arriver. Mais on a envie de progresser, voilà, et puis de vivre des émotions ensemble, et beaucoup de confiance, de respect. C'est un moteur aussi, cette relation-là, évidemment. Avez-vous des signes secrets entre vous deux? Aucun secret, non, on ne cache rien. Par exemple, les qui déboulent, ça veut dire « surf volley ». Parce que s'ils étaient secrets, c'est maintenant le moment. Ouais. Non, ça veut dire « si tu fais de la victoire, tu seras gâté après ». Et pourquoi il se fait sponsoriser par une marque de champagne pour enfants, qui déboule? Parce que c'est un homme très raisonnable, très très raisonnable, très sage, et qui veut donner l'exemple, c'est bien. C'est ce que vous buvez après une victoire? Non, mais j'ai des amis qui ont testé, qui aiment beaucoup, et c'est sympa. C'est sûr que c'est pas discret. À quel moment avez-vous décidé de revenir au tennis? Au mois de... J'ai pris ma décision définitive à mi-juillet l'année passée. Bon, ça trottait dans ma tête déjà depuis quelques semaines, mais mi-juillet, c'est là que j'ai appelé Carlos, je lui ai dit « j'aimerais te voir demain ». Et puis je lui ai annoncé, comme je l'ai annoncé à tous mes proches, parce que j'en avais parlé quasi à personne avant. Donc ça a été un peu une surprise, bien qu'ils se sont toujours tous demandé pourquoi j'avais arrêté si tôt. Et ça, il n'y avait que moi qui connaissais les réponses, évidemment. Ouais. Vous avez l'air plus détendu. L'air Non, je ne me sens nettement plus... Non, nettement plus relax. C'est vrai que... Mais il y a beaucoup changé? Bon, on ne change jamais. Je pense qu'on prend les expériences et on essaye d'en retirer quelque chose de positif. Et moi, d'avoir été éloignée des cours quelque part, de sortir de ma bulle, j'ai respiré différemment. Je me suis ouverte à d'autres choses. Je suis quelqu'un de très curieux et j'avais besoin aussi de gagner en esprit d'ouverture. J'ai vécu pas mal de projets différents, rencontré d'autres gens. J'avais besoin de me dire, OK, j'existe aussi sans ma raquette et sans les cours de tennis. Et donc voilà, j'ai toujours besoin de trouver l'adrénaline dans tout ce que je fais. Ça, c'est sûr, je vis comme ça, j'aime vivre comme ça. Mais pouvoir revenir à ma passion, entre guillemets, à mon premier amour, avec ce recul, ça, c'est une grande chance aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous manquait? Le contact avec les gens, énormément. Le fait, j'ai quand même cette grande chance de faire un métier d'émotion. Je pense que le sport est réuni, le sport est fédérateur. Et le sport, donne une part un petit peu de rêve. Et puis, le dépassement de soi aussi. Je trouve que le tennis, c'est ce que je fais de mieux depuis toujours. J'en suis à nouveau très fière, quelque part, aujourd'hui. Et ça a toujours été une belle école de vie pour moi. J'ai appris énormément sur moi-même. Donc, c'est pas qu'une question de performance, c'est aussi tout ce qu'on apprend derrière, et à gérer les victoires, les défaites, à se remettre beaucoup en question. Et quelque part, c'est la vie, quoi, mais la pression est énorme tout le temps. Et à 25 ans, j'avais vraiment un besoin de déconnecter. Ouais. C'était peut-être ma chance de revenir vous parler de tout ça aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce que les autres joueuses ont dit par rapport à votre retour? Merde, elle est là de nouveau. Ça, elles n'ont pas osé me le dire. Mais... Non, en apparence, mais je crois qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sincérité. Tout le monde est venu vers moi, c'est vrai, en me disant que c'était super. Et il faudra leur poser la question, mais je crois que dans l'ensemble, j'ai été heureuse de retrouver beaucoup de gens sur le circuit avec qui j'ai travaillé pendant des années. J'ai aussi eu
la chance de reconstruire la même équipe sportive. Donc ça, c'est, je trouve que c'est bien. Je suis très fidèle et j'ai envie de construire les choses dans le long terme avec les gens avec qui je travaille. Non, dans l'ensemble, les gens étaient contents. Et le public m'a donné énormément de soutien. En Australie, j'ai senti voilà, que j'avais les gens derrière moi. Et puis en Belgique aussi, évidemment. Et... Tout le monde est enthousiaste. Ben, c'est bien, oui, ça fait chaud au cœur. Et maintenant, allez-vous gagner Wimbledon? C'est un rêve, évidemment. C'est le grand rêve, oui. Est-ce que les moyens que je vais me donner vont être suffisants pour pouvoir le faire? Ça, on aura les réponses. Alors, 2010, c'est important, mais c'est aussi une année de reprise et peut-être un petit peu de transition. Et j'espère encore jouer quelques années maintenant. Mais c'est un rêve. J'espère qu'il pourra se réaliser. Mais j'essaye d'y penser, de visualiser et de beaucoup travailler parce qu'il n'y a pas de secret. Est-ce que votre chien, Douce, il pourra vous accompagner à Wimbledon? À Wimbledon, je pense pas, non, mais parce que c'est toujours un peu compliqué en Angleterre. J'aurais espéré, parce que peut-être qu'elle me porterait chance, mais... C'est vrai qu'en Australie, vous avez fait du Skype avec lui. J'ai vu mon chien sur Skype, c'est vrai. Okay. Si vous trouvez ça ridicule. Parce que je m'imaginais déjà comment ça se passe, mais bon. Mais ça m'a fait mal au cœur parce qu'elle n'a pas du tout capté que c'était moi. Et donc, finalement, ça m'a donné le cafard plus que de me réconforter. Mais c'est une vraie présence et c'est toujours... Enfin voilà, j'étais heureuse de rentrer pour la retrouver, ça c'est sûr. Hier, la Belgique a gagné le Fed Cup contre la Pologne. Oui. S'il y a une opportunité de participer avec Kim un jour? Ce serait le rêve. Il y a une vraie volonté, je pense, chez Kim et chez moi de revenir dans cette équipe. Je voudrais vraiment féliciter les filles et leur tirer mon coup de chapeau parce qu'elles ont fait preuve d'une détermination ce week-end. Elles étaient en difficulté et elles se sont battues. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Après, c'est encore un peu tôt pour moi pour en parler parce qu'il faut voir un petit peu mon évolution physique. J'ai eu un début d'année là en Australie avec des petits bobos et puis voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais il y a une vraie... J'ai volonté de revenir. J'ai toujours aimé jouer en équipe parce que c'est des émotions différentes et particulières. On a gagné la Fed Cup. Ce serait merveilleux de pouvoir en rêver à nouveau. Mais il faut voir comment les choses vont évoluer. Et je pense que pour Kim, c'est un peu la même chose aussi. On revient. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il faut éviter les blessures et penser au calendrier. Donc, on verra dans quelques semaines. Oui. On verra. Et on l'espère tous. Merci. Je vous souhaite encore beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Justine Hénin. Merci.